sont nés en même temps, les hommes ou les femmes, ou une femme puis après les hommes? Moi, je pense qu'il y a une femme d'abord, parce que c'est les femmes qui font les enfants, les filles et même les garçons. Ah oui, peut-être. Une femme, puis elle a fait un garçon, puis ça a devenu un homme. Pour avoir un garçon et une fille, pour un garçon puis une fille. Ah oui. Une femme et un homme. Alors donc ça va pas. Faut aller pêcher quelque part. L'Église a reconnu que c'est pas Adam et Ève qu'ont été les premiers hommes. Elle reconnaît ça, l'Église? Oui. Il y a quelques églises, peut-être les églises modernes. La première femme, c'était une femme préhistorique. À la faucille? C'était peut-être une plante? Oui, mais François, tu dis une plante. Oui, mais une plante, ça peut pas devenir une femme. Ou alors, on n'aurait jamais vu ça, mais... Quand on sème, ça devient une racine. Il faut des graines, avant. Alors, tu crois que les hommes sont poussés avec des graines? C'est peut-être le sol qui a fait tomber des choses, puis ça m'ont paru, avec des graines. Moi, ça m'étonnerait que les hommes soient venus avec des graines. Moi aussi, ça m'étonne, mais ils doivent être venus par quelque chose, pour ça. Les hommes préhistoriques, puis les bêtes préhistoriques sont venus comme ça. Comme ça. Mais ils peuvent pas venir comme ça. T'as bien poussé avec une mer. On sait pas comment qu'elle est venue la terre. On sait pas comment ils sont venus les bêtes. Bah oui. Non, alors on ne sait plus comment sont venus les humains. On a déjà parlé comment a venu la terre. La terre, on suppose que c'est une partie qui s'est détachée du soleil. Comme ça, et puis ça s'est éloigné du soleil, et puis ça, c'est comme ça, la Terre. Puis la Lune, c'est encore une partie qui s'est détachée de la Terre. Il y avait peut-être une femme dans le soleil? Dans le soleil, on peut pas, il fait trop chaud. Il ne pourrait pas résister? Bien sûr que non. Puis comment elle est venue, le soleil? Comme ça, il était peut-être avant. Est-ce que les savants, ils savent? Ils cherchent. Moi, ça me semble drôle. Comment elle est venue? Comment sont venus les saints? Comment sont venus les siècles? Comment sont venus, je sais pas moi, comment est venu tout? Il devait avoir une petite bricole quelque part parce que... Avant l'homme, il y avait une cellule, c'était une cellule. Et puis elle a grossi. Et puis l'homme s'est transformé, s'est développé petit à petit. Puis les hommes sont comme je sais pas, comme vous voyez maintenant. Mais tout ça n'explique pas la présence du soleil, la présence de la terre et comment est née la vie. Est-ce qu'on est les derniers nés, nous? Pour le moment, oui. Mais quand tu seras morte et que moi je serai mort, il y aura encore des hommes qui naîtront. Puis ce sera les derniers. Pourquoi ce seront les derniers? Peut-être qu'après eux, il y en a encore qui naîtront. Puis après, oui, puis après, on sera peut-être devenus les premiers. Quand il y en aura plein. Mais non, on ne pourra jamais être les premiers puisqu'il y en a eu avant nous. Ah oui. C'est intéressant ce qu'on parle. Mm-hmm. On devra écouter ce qu'on a fait, dit. Mm-hmm.